D'un bon courage et comme je l'ai dit à vos collègues, c'est bon augure pour la suite. En ce qui vous concerne, c'est bon augure aussi. Ouais, non, bien sûr, moi je suis sur le retour. Moi, je suis impatient de boucler les plus de. C'est-à-dire des prochains matchs. On l'espère en tout cas, mais il y a des chances. Merci. Il n'y a pas de regret. Hein. On a pris juste un point. On devait prendre 3 points, mais ça va. Juste le 14 nous a tué. Et puis ils ont égalisé encore. Et puis ça va, on va commencer. Nous allons continuer à travailler. Et puis directement, nous sommes focalisés sur le match contre la Gambie. Est-ce que vous pensez que vous étiez battu physiquement? Est-ce que vous le pensiez? Non, physiquement, non. On a tenu. On a joué 10 contre 11. Donc on a tenu, on a cherché. Et physiquement, nous sommes là. Et donc, chaque point vaudra cher dans ce groupe. Quoi ? Chaque point va valoir cher dans ce groupe. Bah, bien sûr. Je pense que c'est un bon point de paix. Bah, ouais, bien sûr. Bah, juste, on va continuer à travailler. Et demain, nous allons commencer à regarder la vidéo de la Gambie. Et puis, pour mieux attaquer le match. Bien sûr, on aurait voulu gagner le match. Maintenant, c'est un peu tranquille. On va pas cracher sur un nul. Maintenant, on est focus sur le prochain match et on va la victoire. Vous, comment vous vous sentiez en disputant les premières minutes en CAN? Moi, c'est pas comme l'Europe. Moi, c'est dur, mais on est là pour ça. Et on a fait le job. Est-ce que vous avez des problèmes? Des regrets? Non, je pense qu'on a réussi à faire le match qu'il fallait. Je pense qu'on aurait pu gagner le match. Mais franchement, c'est un très bon point pris quand même. Et dans ce groupe-là, les points vont être cher. Très, très cher. Franchement, un point pris là contre le Cameroun, franchement, c'est un très, très bon point. Maintenant, il faut gagner le match. Le groupe est fort, vous sentez soudés, même objectif. On a tous le même état d'esprit, on a bien bossé en prépa. Et maintenant, là, faut conclure ça avec des bons résultats. Merci beaucoup. C'est un bon point de prix, non, ça? Oui, clairement, c'est un bon point de prix. C'est un match difficile aujourd'hui, avec la chaleur, avec l'expulsion. Voilà, on a su faire preuve de caractère. Et on doit continuer avec cet état d'esprit-là, pardon. Et essayer de se qualifier pour les phases finales. Et ça a été dur, physiquement, vous avez très chaud. C'est vrai qu'il était chaud, le terrain était sec. Et on fait avec, c'est comme ça, on sait qu'on est en Afrique, et il y a de la chaleur, on fait avec, on le sait déjà, et nous, l'objectif, c'est de tout donner. Quand vous êtes retrouvé à 10 contre 11, vous êtes dit. Bien sûr, on s'est dit ça va être dur, comme tous les matchs, même à 11, il fallait toujours quand même. Mais on a su faire notre caractère, on a un bon état d'esprit, et je me suis dit que c'est bien. La solidarité qui va faire vous qualifier? J'espère, parce qu'avoir un groupe solidaire, c'est très important. On va être solidaire jusqu'au bout, on va être jusqu'au bout, et par match, et par. Est-ce que toutes ces absences n'ont pas un peu déstabilisé le moral, toutes ces absences-là des cadres? Non, je ne pense pas que ça a déstabilisé le moral. Je pense que voilà, si les 25 sont là, c'est tout le choix. Après, le but, c'est le choix. On fait avec. Après voilà, moi je suis un petit peu mitigé parce que je pense que ce match-là on doit le finir à 11. Est-ce et à 11 c'est un match totalement différent. Donc ça aurait pu être mieux quoi. Vous restez sur le point. Même si à 10 contre 11, il fallait aussi le tenir ce point. Exactement, c'est pour ça que je dis c'est un sentiment mitigé parce qu'à la fois à 11, je pense qu'on peut finir avec les 3 points. Et à 10, on peut aussi conseiller. Non, on n'a pas de regrets. J'espère que la petite erreur du quartier de aujourd'hui est pas sérieuse pour la suite. On a repris. Vu que quand on est dans le 11, on est les plus soudés. On est des joueurs combatifs.